Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Homme. On se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'abdos ventre plat et taille fine de seulement 8 minutes, d'accord? Donc c'est un petit bloc que tu vas pouvoir mettre soit avant ta séance en échauffement, soit la faire toute seule en routine, ou bien la mettre justement en fin de séance, un petit finisher qui peut être sympa après une séance de HIIT, de cardio, de pilates, de renfo, de ce que tu veux. Donc j'espère que tu vas kiffer ce format, 5 exercices différents ciblés. Je te donne en mille sur les abdos, bien évidemment. Donc, je suis Maxime, ton coach de cette chaîne YouTube Flash Fit Homme. Avec Marine, on est deux coachs sportifs diplômés. On te partage deux séances de fitness par semaine, chaque samedi, chaque lundi, pour t'aider à perdre du poids, trouver la forme, améliorer ta santé, histoire d'être mieux dans ton corps et mieux dans tes baskets. Donc, si jamais tu n'es pas abonné, attention, mets pause dans cette vidéo vite. Si t'es pas abonné. Bouton rouge juste en dessous, tu vas rejoindre les plus de 130 000 personnes qui l'ont déjà fait avant toi, et ça fait zizir. Ok, donc on va directement passer au sol. Ok, on va directement commencer les exercices. Je lance le chrono. Alors attention, petite info très importante avant. Concept qu'on a sur cette chaîne, d'accord, que perso je n'ai vu nulle part ailleurs, mais que je trouve sympa, c'est que je te propose deux timers différents. Donc tu vas pouvoir suivre le timer le plus simple, qui va être en 30-15, ou alors le timer le plus dur, celui que je vais faire dans cette vidéo, en 35-10, d'accord. Je t'afficherai les deux timers pendant la séance, c'est à toi de voir, en fonction de ton niveau, en fonction de ta forme du jour. Ok? Je lance le chrono, tu peux commencer à te mettre en position de gainage, ça sera notre premier exercice. Hop, on part dans 10 secondes. Donc, on est ici sur les avant-bras, d'accord? Option plus simple, on pose les genoux au sol. Top. L'option simple, on pose les genoux au sol, sinon ici, on va faire une planche tout simplement avec des inclinaisons de bassin de droite à gauche. Donc là, on va venir chercher aussi les abdos latéraux, les obliques. Donc là, attention, on veille à bien rentrer le nombril. On contracte bien les abdos. D'accord, je veux vraiment que tu rentres le ventre, c'est important pour être bien gainé. Et on ne creuse surtout pas le bas du dos. À l'inverse, on va limite essayer de l'arrondir un petit peu. Et option plus simple, donc, d'accord, si ça devient dur pour toi, tu passes sur les genoux ici, en statique. Ok. Ensuite, gainage latéral. Donc tu choisis un côté, peu importe. Option plus simple, comme toujours. Top, c'est de faire l'option avec un genou au sol. Tu vois que cette jambe, elle est fléchie ici dessous. Et c'est mon genou. D'accord? Donc j'ai moins de poids de corps à lever, évidemment, ici sur mes abdos. Donc l'exercice est plus simple. Option plus dure. Eh bien, ça va être tout simplement sur les pieds. Si tu as un peu de mal à gérer l'équilibre, tu peux décaler tes deux pieds ici pour être plus stable. Ça, encore une fois, c'est toi qui vois. Tu adaptes à la maison. Je te donne trois options différentes. À toi de voir. Donc là, on rentre bien le nombril. On sent que ça travaille sur la chaîne latérale. Top. On change de côté. Même exercice. Histoire d'être symétrique. C'est mieux. Top. Donc, option plus simple. Même chose, évidemment, sur le genou. Je contracte les fesses pour bien avoir le corps droit, être bien aligné. Ou option plus dure. Et évidemment, pareil, hein, sur la pointe des pieds. On pense à respirer, on rentre le nombril. Le but, c'est de rester droit. Le signe qui va montrer que tu faiblis, c'est ton bassin va descendre, va descendre, va descendre. Là, tu risques de te faire mal. Donc, plutôt que de se faire mal, on bascule sur l'option la plus simple. D'accord? Si jamais c'est le cas à la maison. Top. Mieux vaut prendre l'option un peu plus simple que de se faire mal, ça sert à rien. Ensuite, on va passer sur les obliques au sol. Donc, position crunch, top. Tout simplement, on rentre le nombril, on contracte les abdos. On va venir toucher la cheville. Si jamais on a une petite douleur au niveau du cou, on peut garder une main derrière la tête pour soulager la nuque du poids du crâne. D'accord ? Donc ici, c'est pas simplement un balancier. C'est vraiment la contraction des obliques qui fait que je vais réussir à descendre ma main en direction de la cheville. Au bout. Yes. Et le dernier exercice, c'est des jackknives croisés. Donc là, on est en étoile, les bras au-dessus de la tête, tout simplement. Option plus simple. Top, on vient amener la jambe opposée, bras opposés. Option plus simple, je touche le genou ou le tibia. Donc j'ai la jambe fléchie. Option plus dure, c'est jambe tendue et je viens toucher la cheville.
j'inspire en redescendant, je souffle en touchant. Ok ? Pareil, si j'ai une douleur au niveau du cou, comme beaucoup, je garde toujours la main qui ne vient pas chercher la cheville derrière la tête. Ok, 45 secondes pour récupérer. Rapidement, écoute bien, je te remontre une consigne, vraiment que tu fasses la différence. Je vais te montrer debout. La différence, d'accord ? Sur les obliques au sol, il y a vraiment une grosse différence à faire. C'est vraiment un détail, mais ça fait toute la différence, comme sur beaucoup d'exos. Quand je viens chercher à toucher ma cheville, c'est pas juste je fais un balancier. Parce que là, je contracte quasiment rien. C'est vraiment une contraction ici, c'est ce mouvement-là. Tu vois, je viens essayer de descendre le bras pour venir toucher ma cheville. Donc, est-ce que tu vois bien la différence ? Ici, j'ai un bon exo avec la contraction. Ici, je fais simplement le balancier. Ok ? Ça ne sert à rien. Je travaille beaucoup moins. Allez, on revient sur la planche. Top ! Donc, je te remonte. Option simple, je reste ici en planche sur les genoux. Option plus dure, pointe de pied. Tu vois que j'engage les abdos, j'arrondis limite mon bas du dos. Et je viens faire des rotations de droite à gauche. Ce qui fait que là, c'est assez intense. On vient travailler les obliques. Comme je t'ai dit, c'est les abdos latéraux. Hein. Ce qui permet de te tourner. D'aller attraper la ceinture dans la voiture, par exemple. Yes. Gainage latéral. Les obliques, c'est ceux-là. C'est les abdos qu'on a sur les côtés. Qu'il ne faut pas oublier. C'est important. Allez, gainage latéral. Le coude qui est bien sous l'épaule, hein. Attention ici, surtout pas au-dessus, sinon tu vas mettre beaucoup de tension sur ton épaule et tu peux te faire mal, puisque c'est ton épaule qui va supporter le poids du corps. Donc soit option pointe de pied, on adapte à la maison, encore une fois, on rentre le nombril, on contracte fort les abdos. On passe sur l'option plus simple, si le bassin, on n'arrive plus à le tenir, si ça descend, ça descend, hop, tu fléchis la jambe du dessous, tu passes sur le genou, j'insiste. Ok, l'autre côté. On veut pas ressembler à un Picasso. Donc, on fait droite et gauche. Je sais pas du tout comment je suis dans la caméra. Le tapis n'arrête pas de tourner. Tu me diras. Donc, genou. Ou option sur le pied. Pareil. Donc là, on sent vraiment le travail. Il y a toute la chaîne latérale qui bosse. Et oui, il faut réussir à tenir. Hein. On n'a aucun appui entre le coude et le pied. Donc c'est tout simplement tes muscles là qui sont en train de te tenir droit, en train de te tenir en planche. Allez, il nous reste 7 secondes pour ceux qui font le chrono le plus intense. On peut bouger le bras si on veut. On fait ce qu'on veut. Top ! Les obliques au sol, donc là rappelle-toi bien, c'est pas juste un balancier. C'est vraiment une contraction. D'accord ? Regarde la différence. Ici, je contracte. Que dalle, je sens pas le travail. À l'inverse, ici, je contracte mes obliques et je descends mon bras en direction des chevilles. Là, j'ai une contraction, là, je sens le travail. Encore une fois, si j'ai des douleurs au niveau du cou, je garde une main derrière la tête. Ça m'empêche pas de bien contracter les abdos. Au bout, on tient. Yes! Et les jackknives. Donc, croisés. Les bras au-dessus de la tête. Pareil, on peut toujours avoir une main top derrière la tête. D'accord? Là, j'ai l'option la plus dure puisque j'ai la jambe qui est tendue. J'ai option plus simple. Avec la jambe fléchie, je touche mon tibia. Je souffle au moment de monter. Et j'aspire à la descente. Je rentre bien mon nombril, je contracte les abdos sur le crunch. Toujours regard au plafond. Allez, au bout. Yes. Ouh, tu vois, 8 minutes d'abdos. C'est rapide. Si jamais tu veux faire un troisième tour, tu peux. Tu reviens tout simplement en arrière. Mais une petite séance de 8 minutes. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, j'espère que tu sens bien le travail. Beaucoup d'exercices de gainage, c'est la priorité. D'accord, le gainage,
beaucoup plus important que faire par exemple que des exercices de team crunch. Il faut en faire quelques-uns, tu vois, à la fin, on en a fait, il n'y a pas de souci avec ça, mais la majorité de ton travail sur les abdos, ça doit être du statique, du gainage. Quand je dis statique, c'est simplement une contraction isométrique. Ça veut dire que tu peux quand même mettre du mouvement, d'accord? Sur les planches, tu vois, on a rajouté de la difficulté, mais ça doit être la base de ton travail. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as aimé et quel exercice tu as préféré parmi les 5 que tu as préféré faire, ou alors le ressenti que tu as préféré sur le travail des abdos. Ça me fera plaisir de te lire. Pense à lâcher un pouce en l'air juste en dessous. Ça va stimuler cette vidéo sur YouTube et surtout, je saurai que tu as fait la séance entière avec moi. D'accord? Donc, si je vois plein de pouces, ça veut dire qu'on a quand même des warriors qui ont tenu la séance jusqu'au bout. Donc, pouce en l'air juste en dessous. Et si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Flash Fit Homme, je t'invite à le faire. Tu as juste un bouton rouge en dessous. T'as juste à cliquer dessus et appuyer sur la cloche, ça prend 0,2 secondes, d'accord, mais pour nous ça fait beaucoup, ça agrandit la communauté. Et encore une fois, cette vidéo va être boostée sur YouTube si vous êtes nombreux à la faire et à dire à YouTube que vous l'avez aimé. Donc voilà, je compte sur vous. Je te rappelle, Maxime et Marine sur cette chaîne, 2 séances de fitness par semaine, on t'aide clairement à perdre du poids, à retrouver la forme, à être mieux dans tes baskets, à améliorer ta santé, sans être obligé d'aller en salle de sport. C'est pas une obligation. Il y en a qui peuvent pas se le permettre, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui veulent pas. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. Donc, on a différents programmes, d'ailleurs, si tu veux. Hein. Si tu fais nos séances YouTube depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, que tu kiffes notre énergie, que tu sens qu'on est les bonnes personnes pour t'accompagner, si j'y pense, je te mettrai le lien de nos programmes juste en dessous dans la description, tu pourras aller voir. Voilà, je te fais des gros bisous, des gros poutous, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te laisse une petite vidéo juste ici, 10 minutes d'étirement spécial fin de séance, si jamais tu veux en faire. Ciao.